Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un projet. Donc l'idée c'est que je vais essayer de faire un petit projet JavaScript par semaine, donc pour apprendre, continuer à apprendre des trucs sur JavaScript, et puis pour s'entraîner, parce que les gens me disent oui mais qu'est-ce que je vais créer comme projet, je sais pas quoi, j'ai pas d'idée, etc. Vous allez voir, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire. Enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, donc je vais vraiment essayer de vous proposer au moins régulièrement. M'en voulez pas si je réussis pas à le faire toutes les semaines, mais je vais essayer de le faire régulièrement, des projets qui seront souvent, je pense, en deux étapes, qui vont souvent avoir soit il y a beaucoup de JavaScript à faire, du coup je divise en deux, soit comme aujourd'hui il y a une partie un peu, on fera une première partie CSS, un peu la mise en place du projet et le CSS, puis la deuxième partie JavaScript. En fait je vais voir, je regarde à peu près le temps que ça prend à enregistrer. Si je vois que c'est un peu trop long, tac, je coupe. Et comme ça, on fait deux vidéos, c'est plus assimilable, c'est plus agréable, je pense, pour tout le monde. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, alors je vais juste passer comme ça, je vais mettre, alors j'ai tout bougé, hop, je vais mettre ici. On va créer un counter. Je peux même le mettre ici pour la démo. Donc, en fait, ça va être, on va avoir une page. Alors, là, je l'ai mis en plein milieu, mais l'idée, c'est que vous pouvez après utiliser ça n'importe où. C'est une API qui va nous permettre de compter des choses, même si, voilà, même si vous n'avez pas de base de données, avec rien, juste avec ça, ça va automatiquement le faire. Ça veut dire que là, par exemple, si j'actualise la page, il va compter le nombre de fois en fait où la page est vue. Donc, hop, vous voyez, j'ai mis une petite animation avec un petit effet de flou. Hop, 40, je réactualise la page. 41, etc. Si je vais en navigation privée, que je copie cette adresse, que je retrouve ma page, je la colle. Ok. Donc il va charger et vous allez voir, ça va être pris en compte. Hein. C'est pas juste du cache, hein. C'est pas genre un truc fake. C'est, on va pas juste s'amuser en JavaScript à mettre à jour une variable. On va vraiment avoir un vrai truc qui s'enregistre. Là, vous voyez 42, et si je réactive celui-là, il va passer du coup à 43, et pas lui-même à 42. Okay? Donc c'est vraiment un vrai compteur, sauvegardé. Vous pouvez l'utiliser pour compter des pages, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans vos applications. Je sais pas, vous voulez compter des actions d'un utilisateur ou quoi, machin. Après, libre cours à votre imagination. Ça sera adaptable aussi. On va voir la base, comment utiliser ça, et ça sera adaptable. Donc on va voir comment se connecter à une API. Pour faire ça, je vous montrerai laquelle tout à l'heure. Et puis voilà, en gros, c'est relativement tout ce qu'on va voir avec ça. Et c'est parti, du coup, on va y aller. Donc, et ben, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur Code Sandbox. Je vais me mettre ici. On va aller sur Code Sandbox. Ça va être plus simple pour travailler ensemble. J'ai pas voulu. Alors là, je vais faire un point, parce qu'après, sur chaque projet JavaScript, on reviendra peut-être pas là-dessus. Mais pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi j'ai choisi Code Sandbox? En fait, c'est que si je faisais un projet avec VS Code et tout, et que je voulais utiliser des trucs récents, où vous n'avez pas forcément, enfin, vous avez pas forcément les mêmes outils que moi, la même version de Node, de machin et tout, c'est un peu chiant. Enfin, même pour vous, pour suivre. Et du coup, à chaque vidéo, ça obligeait à faire toute une partie, comment configurer le truc, quoi. C'était galère. Donc là, on va aller sur Code Sandbox. Tout est configuré. Pour le JavaScript, ça va être fait avec Parcel. Moi, j'aurais réussi à utiliser Parcel si j'avais voulu vous montrer ça directement en local. Mais voilà, même si c'est relativement simple, si vous connaissez Parcel, faites-le tout seul sur votre PC. Et même si vous connaissez, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, juste de faire l'exo comme ça, hein, juste travailler sur JavaScript. Sans se prendre la tête, on va aller sur Code Sandbox. Code Sandbox, c'est un peu comme CodePen, mais un peu plus puissant, on va dire. Donc, créer une sandbox. Même pas besoin de compte ni rien. Donc, c'est vraiment cool. Donc, vous voyez, on peut créer des templates à partir de React, Vue, machin truc. Nous, on va juste prendre JavaScript. C'est marqué Parcel en dessous, parce que Parcel, c'est ce qui va permettre, en fait, de tout combiner pour vous sortir. Justement, Parcel, il va s'arranger pour prendre votre JavaScript. Le rendre, vous savez, prendre les, même si vous écrivez avec des choses modernes, il va le rendre compatible avec à peu près tout. Pareil pour votre CSS, il va faire des trucs, des actions de préfixage et tout. Enfin, il va faire un. Allez voir Parcel, c'est génial. C'est vraiment, c'est le. Si avant vous étiez habitué, par exemple, à utiliser Gulp, Parcel, c'est Gulp en mieux et plus simple. C'est Webpack en simple, voilà, c'est ça, en gros. Avec un peu moins d'options que Webpack quand même. Donc, vous arrivez sur un petit projet comme ça. Donc, ici, on a quoi? On a plusieurs choses. On a un fichier package.json. On va même pas y aller. On va même pas aller voir ce que c'est. Enfin, on va même pas l'utiliser en fait. C'est juste pour initialiser le projet. On a un fichier index.html qu'on va modifier tout à l'heure. Et on a un dossier source avec à l'intérieur un index.js et un style.css.
Donc on modifiera tout ça tout à l'heure. Donc déjà nous dans notre index.html, je vais prendre mon code ici, je vais le mettre à côté. Comme ça je pourrais voir un peu avoir un récap de ce que j'avais fait pour suivre. Hop, et je vais mettre mon minuteur à côté. Voilà. Donc oui, on est déjà 5 minutes, ça va vite. Donc on va voir comment on fait ça. Donc dans notre index, alors je vous ai spoilé la suite, non. Je vous ai spoilé, ne voyez pas. On y reviendra tout à l'heure. Donc je peux modifier le titre, par exemple, je peux mettre mon compteur de ouf. Voilà, donc ça change juste le titre de la page. Ce qu'on va faire, nous, c'est que là, ici, il y a une div. En gros, de base, on a du JavaScript qui vient directement s'intégrer là-dedans. Nous, ça, on s'en fiche, on va pas avoir besoin de ça. Le script, on va pas le charger dans le body. Oups, on va le charger directement tout à l'heure dans le head. Le CSS, on va aussi le charger directement dans le head. On peut faire ça tout de suite. Link. Et l'adresse est source slash. Est-ce que vous voulez que je vous zoome peut-être? Je vais vous zoomer un petit coup comme ça. Ça pourrait peut-être être un peu mieux pour vos yeux. Donc source slash style.css. Ok. Et ensuite, le HTML va être très simple. On va avoir un H1 et un H2. Voilà, j'avais fait ça. L'idée, c'est pas vraiment de faire du HTML. Donc voilà. Est-ce que je cache quelque chose? J'espère pas que je cache quelque chose. Non, je pense. J'ai peut-être plutôt, par contre, passé plutôt en bas comme ça va peut-être être un peu mieux. Ok. Donc, maintenant, on va avoir, du coup, j'ai dit 1H1 où j'avais marqué. Je vais vous copier-coller parce que j'ai des petits smileys. Hop. Tac. Donc, un petit H1 comme ça. Oui, ça s'affiche direct. Et en dessous, j'ai 1H2. Donc vous tapez H2 tab, ça vous le met direct. Et pour l'instant, on va juste le mettre à 0. Le compteur, on le passe à 0 et on va lui donner un ID pour pouvoir le sélectionner très simplement. Et on va l'appeler compteur. Counter. Counter ou compteur, voilà, peut-être c'est mieux. Des fois, je préfère mettre les noms en anglais quand même. C'est pour s'y retrouver, des fois, c'est plus simple, c'est plus court souvent. Si vous faites CTRL S, ça sauvegarde le truc et ça vous le reformate correctement. Index.js, pour l'instant, on a dit peu importe, on n'en veut pas. On le fera plus tard. Et maintenant le CSS. Donc dans le CSS, moi je veux que ça soit centré. Et après faire un petit style autour avec des couleurs et tout. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va centrer tout ça. On va utiliser Flexbox. Donc pour utiliser Flexbox, pour centrer un élément, déjà il faut lui dire display flex. Comme ça lui dit j'utilise Flexbox. En utilisant Flexbox, il a mis les différents éléments les uns à côté des autres. Okay. Deuxième chose. Je veux lui dire que je veux. Alors, encore mieux, je vais vous mettre une border. Donc, 5px solid red. Ok, c'est la base pour débugger le CSS. On se met une grosse bordure, comme ça, on voit à quoi ou la taille que fait notre élément. Ok, on a ça comme base. Maintenant, je veux que ça, bah déjà, probablement, ça soit au moins centré là-dedans. Donc, avec Flexbox, on fait ça comme ça. On fait justify content center. Ok, c'est centré. Maintenant, je veux que ça soit centré verticalement. Le truc, c'est que là, ça va être centré verticalement à l'intérieur de notre cadre. Et nous, si on veut que ça soit dans notre page, il faut qu'on dise que le body soit égal à la taille de la page. Donc pour ça, on va lui dire que sa hauteur minimum, donc sa min height, parce que comme ça, si jamais on a plus de contenu, ça pourra aller plus grand. Nous, dans notre cas, ça ne sera jamais plus grand. 100 VH. VH, ça veut dire vertical height. En gros, c'est la taille de l'affichage disponible. Donc, en gros là, c'est 100 VH, ça correspond à de là à là. Ok. Donc là, maintenant, on a notre cadre rouge. On a les petites bordures là qui gênent un peu. Il aurait fallu avoir un petit reset CSS. On va pas s'embêter avec ça ici. Normalement, moi, dans mes projets, j'utilise Normalize ou Sanitize, ça dépend. Mais là, en gros, on va pas se prendre la tête. Vous voyez, ça prend juste le petit scroll en plus. C'est juste la taille de la marge. C'est pas grave, ça changera pas grand-chose. Et ensuite, pour centrer ça au milieu de tout ça, on a juste à mettre align-items. Deux points, center. Et là, j'ai mon élément qui est directement bien centré. Maintenant, je voudrais qu'ils soient les uns en dessous des autres. Ça serait mieux que ça. Enfin, je veux que ça soit en dessous. Donc, normalement, le sens normal de Flexbox, ben, c'est de gauche à droite. On peut lui dire d'aller de haut en bas. Et pour ça, il suffit d'inverser le sens en lui disant c'est flex direction. Et on lui dit colonne. Voilà.
Hop, je retrouve dans ma mémoire. Comme ça, on a les choses qui se mettent les uns en dessous des autres. Vous voyez, en 2 minutes, on a fait le truc. On a pu, on va commenter ça. Et comme ça, on a notre élément centré. Maintenant, on va faire un peu plus de style. On va se rajouter juste 2 couleurs. Je vous les copie-colle. C'est des couleurs liées à mon thème que j'utilise normalement. Vous savez, le thème Dracula qui est pour VS Code, pour machin, pour tout. Donc, je mets ce thème-là. C'est juste, enfin, vous mettez en fait la couleur que vous voulez, ça, vraiment, on s'en fout en fait. Ça a peu d'importance. On va juste se mettre un petit truc, on va tourner ça pour que ça soit un peu plus fun. Donc, pour faire ça, j'avais pas mis classe, donc juste sélectionner le H1. Normalement, vous devrez avoir une classe et tout. Là, l'idée, c'est juste de vous montrer des petits trucs. On va pas mettre de classe, on va directement sélectionner le H1 à la sauvage. Et on va faire transform. Et on va le tourner. Pour ça, on fait rotate. Et dans rotate, en fait, on peut mettre une valeur en degrés. Par exemple, si je mets 180 DEG, donc degré DEG, hein, c'est pour dire degré, c'est une unité, c'est comme PX, machin, truc, là c'est degré. Est-ce que, ouais, vous voyez bien encore, j'ai carrément passé ici, voilà. On est retourné carrément à l'envers, donc nous on va peut-être pas vouloir ça, on va juste se mettre moins 8 par exemple, hop, tac, c'est suffisant, on va pas abuser. Et en dessous, on va juste un peu grossir ça. Et là, on a un ID pour le sélectionner. On l'avait appelé counter. Et cet ID counter, pourquoi il me dit qu'il y a un problème? Ah oui, parce que c'est vide pour l'instant. On va juste grossir sa font size. Donc font size. Mince. Font size. On va lui mettre 8 EM. Donc EM, ça va juste être relatif en fait. C'est une mesure relative à ce qui est défini par défaut, donc souvent c'est 16 pixels si on ne les a pas changé. Donc voilà, enfin quoique vu que c'est un titre, c'est certainement un peu plus. Et on va lui, là ça met un peu trop de marge ici, on va lui virer toutes ses marges, on va faire margin 0, hop, comme ça c'est un peu plus sympa. Et quel temps on a? On est à 12 minutes, donc on va s'arrêter là, et on passera du coup au JavaScript dans la prochaine partie. Le petit effet de blur et tout, le fait de flou que je vous avais montré dans la démo, on verra ça aussi dans la prochaine partie. C'est très simple à faire, je peux juste vous le montrer comme ça, c'est juste filter, 2 points, blur, et vous donnez une valeur en pixels par exemple, je sais pas, 8 pixels, et comme ça vous avez votre blur. On verra pour en mettre un plus fort et tout à l'heure, on reviendra sur tout ça dans la suite. Donc ça, c'est les projets JavaScript. Si vous voulez plus d'informations JavaScript et tout, comme ça, moi déjà, je repasse en grand. Hop, non, je repasse en grand comme ça, je m'étais carrément supprimé. J'ai des emails que j'envoie régulièrement. C'est un peu une sorte de blog par email où j'envoie différents articles, des choses. Ça concerne JavaScript, React et pas mal aussi de choses un peu plus genre le freelance, avoir des clients, comment contacter ses clients, etc. Un peu plus dans le truc, dans gagner sa vie avec le code. Si vous voulez vous abonner à ça, je vous mets le lien dans la description. En gros, c'est une liste email. J'ai pas vraiment, normalement, de base, je voulais en envoyer assez régulièrement, quasiment environ un truc un peu quotidien, voilà, les petits. Mais souvent, je réussis pas à le faire quotidiennement, donc il y en a plusieurs par semaine, sans truc fixe. Mais en gros, c'est quelque chose. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est comme si j'avais un blog, mais par email. Comme ça, j'ai pas le blog, c'est par les emails, ça permet de répondre, de s'échanger. Souvent, les gens, ils me répondent, ils me disent, voilà, moi c'est ci, moi c'est ça, ouais, j'ai bien aimé ton email d'aujourd'hui, je m'y retrouve dedans, etc. Enfin, c'est vraiment des échanges vraiment cool. Donc, je vous laisse aller voir ça, vous inscrire dedans. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour la suite de ce tuto. Ciao tout le monde.